Eh bien voilà, on est arrivé à destination avec Sean après Body. Eh bien nous voilà au City Hotel, où est-ce qu'on va coucher ce soir. Alors donc ici c'est un village qui a été préservé après la ruée vers l'or. En fait c'était un village qui s'est construit comme beaucoup de villages ici sur la route de l'ouest des États-Unis. Et c'est surtout au moment de la ruée vers l'or. Les gens allaient dans les mines, travailler dans les mines. Et là, ce soir, on va coucher dans un hôtel qui a été complètement préservé. Vous voyez, ici, c'est le City Hotel. Et nous, notre chambre, elle est juste là-haut. On a même un petit balcon. Et donc là, on va se balader avec Sean. Voilà, je vais vous faire profiter de cette petite promenade. Voilà notre hôtel et bien sûr le balcon là-bas. Ah c'est ça. C'est Lucie là, ça. C'est Lucie dans la forêt, c'est Jacques de Tessin. Ah, mais ça c'est sympa. Ouais, tu veux? Ouais, d'accord. Alors donc, je vais vous faire un petit tour de notre chambre et vous allez voir qu'elle est sympa. Bien, voilà notre chambre. Ah, City Hotel, c'est une chambre de pur style. Les chambres d'hôtes en France dans des châteaux, mais là ici c'est plus Far West avec des petites lampes, le lit à baldaquin et bien sûr le balcon, voilà, et voilà avec les voisins, et puis en bas et bien c'est ce petit village, voilà. Ça va Sean? Voilà, Sean est en train de, d'ouvrir une bouteille de... On n'a pas de gros bouchons, comment tu veux que j'ouvre? Comment ça? C'est comme les bières. Ah, c'est comme les bières. Je vais te l'ouvrir. Voilà. À la dure, comme à l'armée. Sean a ouvert une bouteille de cidre et voilà le dégât. Voilà, on vient de détruire la maison. De l'époque. Ah, c'était quelque chose.
avec Sean, eh bien, on est en train de faire un tour, là on a commencé, et là c'était en fait l'original d'une diligence en fait, qui emmenait les gens ici. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est en 1948, c'est là où on a découvert les premières mines d'or, là près de Sacramento, et le président des États-Unis de l'époque en a fait la pub, et en fait, ça a été la plus grande migration qui n'a jamais été enregistrée du monde entier sur les côtes californiennes. La personne qui nous fait le guide d'ailleurs, son arrière-arrière-arrière-grand-mère avait fait le voyage elle aussi en passant par le Cap Horn en arrivant. But I just wanted to say hi to you. Oh yeah, go ahead. En arrivant sur à San Francisco et après aller sur les mines d'or. Can in your little claim, and you put the soil in the rocker box, and then you have to put water to separate the soil. Voilà, et bien donc, ce qu'on vient de vivre avec Sean pendant quelques heures, là, depuis hier soir, et bien c'est la vie que telle vécurent les gens il y a 150 ans, dans ce village qui est complètement préservé. En fait, il a été préservé, en fait, il y a eu la... c'était un village qui s'est construit pendant la ruée vers l'or en 1800... dans les années 1820-1850. Et en fait, quand la ruée vers l'or s'est terminée, il y a beaucoup de villages qui sont devenus en fait des villes fantômes. Mais par contre, celui-là, les gens sont restés. Donc, le village a toujours survécu. Et en 1945, eh bien, l'État de Californie a repris le dessus, l'a réhabilité. Et depuis, eh bien, tout est vraiment préservé. La chambre, le lit, les meubles, tout était. Alors, sauf effectivement dans la chambre, eh bien, ils ont mis l'air conditionné. Voilà. Et là, on est dans ce petit restaurant que vous pouvez voir et qui est toujours pareil. Vous voyez les lampes. Alors, effectivement, ce n'est plus des lampes au pétrole. C'est à l'électricité, bien sûr, faut pas exagérer quand même. Mais autrement, vraiment, c'est très, très typique. La chambre, il n'y avait pas de télévision. Cette vidéo, je vais être obligé de vous la mettre plus tard parce que j'aurais voulu la faire en direct, mais le Wi-Fi, il y a un Wi-Fi, mais qui a un semblant de Wi-Fi, c'est un fantôme de Wi-Fi. Enfin, voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo à Columbia, mais une chose que je voulais préciser, c'est qu'en fait ici on trouvait de l'or. Je pensais qu'en fait c'était une ville relais où les gens allaient dans les montagnes. Non, ici ils ont trouvé de l'or, il y avait des mines qui étaient exploitées. Et en fait, jusqu'en 1878, où là, pratiquement, bien, tout a été purgé, quoi. En fait, ils ont creusé, et puis il n'y avait plus beaucoup d'or à la fin. Mais en fait, cette ville s'est faite autour d'une mine d'or, et voilà, elle est préservée. Et c'est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Bye.